monsieur de l'histoire 225. Ok, donc je veux m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Voilà, j'étais un peu absent, donc je vais devoir me rattraper. Mais cette fois, n'oubliez pas, pour les élèves de terminale, que actuellement, nous sommes dans la ligne droite. Alors, vous devez vous concentrer pour ne pas rater votre objectif. Maintenant, donc vous devez vous concentrer pour ne pas rater votre objectif. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Pour l'instant, je vais commencer à corriger les sujets du baccalauréat, les anciens sujets. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vraiment abonnez-vous parce que je serai avec vous pendant 3 mois à parler que du bac. Voilà. Donc, soyez prêts et on y va. Aujourd'hui, on va corriger le baccalauréat 2010 du Gabon. Donc, on va commencer par la partie A. Ok. La partie A. Maintenant, je vais signifier pour avoir les sujets de baccalauréat. Voilà, j'ai fait un site web où vous pouvez télécharger ces sujets là-bas tranquillement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez d'abord les sujets, vous téléchargez les sujets. Voilà, vous faites et vous allez faire quoi? Vous allez maintenant regarder les corrections. Voilà, parce que si vous regardez les corrections avant le sujet, c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc, je voulais signifier aussi que les techniques que je vais vous montrer ici dans le sujet ne viennent en rien enlever les techniques que vous savez déjà. Voilà, c'est juste une manière de vous aider à ma propre façon pour que vous soyez vraiment prêt, vraiment fixé. Donc, on y va. Baccalauréat Gabon 2010, c'est tout à l'heure. D'abord, j'ai signifié encore, les sujets sont sur ma page web et je vais vous envoyer le lien. Regardez juste en description le lien qui est là. Vous cliquez dessus, vous allez sur ma page web, arrivez là-bas, vous allez voir plusieurs sujets, vous téléchargez comme vous voulez et quand vous voulez. Ok, merci, on y va. Donc, bac 2017 pour le Gabon. Donc, on y va. On nous donne soit par exemple, c'est l'exercice numéro 1. Ouais, elle est sur mon bain. Donc, soit FN, et nous suit sur D. Et FN de 0 égale à N. Voilà. Donc, ici, on nous demande comme ça. Avec ce qui est là, on nous demande de trouver la continuité de quoi? De FN. Donc, 1. Donc,
c'est l'idée. Un instant, je vais commencer à proposer. Donc, ça y va. Ça donne quoi? Donc, ici, nous avons quoi tout d'abord? La limite, c'est-à-dire la limite lorsque t tend vers 0 de sinus nt sur nt. Voilà, la formule que je vais utiliser, c'est quoi? La formule que je vais utiliser ici en termes de limite de sinus, c'est quoi? C'est la limite lorsque t tend vers par exemple 0 de sinus t sur t. C'est égal à quoi? C'est égal à f. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Voilà. Comme c'est ça que je vais utiliser, comment ça se passe? Ici, si vous voyez bien, j'ai mis NT sur NT pour que ça puisse respecter ce qui est là. On voit quoi? On voit le NT qui est là. Voilà. Et on a aussi sinus qui est là. Donc, je vais fois encore T sur sinus T fois 1 sur T. Voilà. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne comme ça. Ici, ça nous donne limite lorsque T tend vers 0 de sinus de nt sur nt fois quoi? Fois t sur sinus t fois nt sur t. Voilà. Et ça, c'est égal à quoi? Et ça, avec la formule qui est là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est là, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Ce qui est là aussi, c'est égal à 1. Et ici, on voit qu'on peut simplifier là et là. Donc, on finit sur un truc quoi? On finit sur 1 fois 1 fois n. Donc, ça nous donne n. Ce qui veut dire que la limite lorsque t tend vers 0 de fn de t égale à n. Donc, si vous remarquez bien, la limite de fn de t en 0 donne n. Et nous avons aussi que fn de 0 aussi donne n. Donc, ici, et là, on peut voir par exemple comme ça que. On peut voir par exemple comme ça que. Limite, lorsque t tend vers 0 de fn de t égale à quoi? Égale à fn de 0 égale à n. Alors, si ce qui est là est respecté, ça veut dire que f est continu. Voilà. Donc, voici pour. La première question. Donc, on est dans la deuxième question. Donc, il disait, on y va pour la deuxième question.